La chanteuse à laquelle ses fans sont venus déclarer leur flamme, c'est Tal. Des chansons au message positif, des collaborations avec les stars du moment. En 15 mois et un album, elle est devenue la nouvelle idole des ados. À 22 ans, comment vit-elle son succès fulgurant? Waouh, c'est tout ça pour moi. Il y a des gens qui sont là, qui te regardent comme si t'étais Dieu, alors que t'es juste comme eux, quoi. Rencontre avec une chanteuse qui a trouvé le sens de sa vie. Studio d'Aubervilliers, en banlieue parisienne. Ce jour-là, Tal tourne un clip avec Matt Pokora pour un album de reprise de Jean-Jacques Goldman. À 28 ans et avec 10 ans de carrière derrière lui, Matt Pokora est le plus expérimenté des deux et semble avoir décidé de prendre les choses en main. En fait, n'hésite pas en fait à prendre le temps. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire, moi je prends le temps de faire ça, de machin, tu vois, de bouger tes doigts. Si tu prends ma nuque, n'hésite pas à mettre les mains comme ça. Tal a visiblement du mal à se lâcher et à laisser parler sa sensualité avec son partenaire. Tu vois, en vol, tu lui parles, ton spot est là, on a l'impression. Regarde, lui, un moment, t'as mis la main là, c'était lui. J'ai mis la main là comme ça, tu vois, quand je prends la jambe. Tu vois comme ça là. Tal, Matt Pokora, deux chanteurs qui cartonnent auprès des ados. C'est lui qui a eu l'idée de proposer à Tal ce duo. Entre eux, une complicité fraternelle. Je l'appelle Brada, il m'appelle Sista. C'est cool et on s'entend. Brada, frère, Sista, sœur. Un grand frère bien placé pour savoir ce que vit cette jeune artiste, lui qui a connu le succès à 18 ans avec son groupe, les Link Up. Le seul conseil que j'ai à lui donner, c'est de rester telle qu'elle est, de garder sa fraîcheur et de lui dire qu'une carrière, c'est une course de fond. Parce que, avec ma petite expérience, en 10 ans, j'en ai vu faire un album, 10 de platine et repartir aussi vite. Maintenant, je pense que si elle garde cette fraîcheur, cet état d'esprit et puis le talent, quoi qu'il en soit, elle l'a. Le talent, la profession lui en accorde. Première partie d'Alicia Keys et de Christophe Maé en 2011. J'aimerais vous présenter une copine que j'aime beaucoup, une chanteuse qui s'appelle Tal. Trouver le sens de la raison qui m'entraîne. Des chanteurs à succès qui ont repéré chez elle l'étoffe d'une grande. En un an, Tal s'impose comme la révélation de la variété française avec des chansons au message optimiste. D'ici, loin de là, il y a des chants qui portent nos joies. Positive attitude qui fait mouche auprès d'un jeune public. J'ai envie en tout cas d'être un porte-parole parce que c'est important de faire passer des messages d'espoir et de tolérance. C'est toujours des messages pour se battre, pour avancer. Voilà. Se battre pour réaliser ses rêves, une philosophie taillée sur mesure pour celle qui depuis son plus jeune âge avait l'ambition de devenir chanteuse. Mère chanteuse d'opéra, père guitariste, à 7 ans, elle donne déjà de la voix. La première fois que je montais sur scène, j'avais quel âge? Je devais avoir 7 ans. À 7 ans, je suis montée. Bon, quand je dis scène, c'était une scène, c'était une soirée privée, c'est 7 ans et depuis, j'ai toujours aimé monter sur scène. Dans les fêtes familiales, toujours elle monte sur table, elle chante. Et tout le monde en tape. Michael Jackson, Céline Dion, voilà. Premier témoin de sa vocation, son père est aujourd'hui très fier de sa fille. C'est la star des adolescents, qu'est-ce que ça vous fait? C'est touchant, c'est une souhaite réussite, la santé, le bonheur, tout. Pour moi, c'est... J'ai pas de mots, voilà. Il est ému de voir sa fille... Oui, c'est vrai, c'est vrai. De voir sa fille réussir. Rire, mais... Aujourd'hui, Tal est disque de platine et déplace des foules d'enfants et de pré-ados dans des petites salles de province sur son seul nom. Vous écoutez les chansons de Tal? Elle parle pour les ados, c'est bien et tout.
Oui, elle chante. Oui, elle chante trop bien. Oui, elle chante trop bien. Oui, elle chante trop bien. Oui, elle pas de staff de superstar, Tal se maquille toute seule avant d'entrer en scène et n'est pas encore blasée par sa vie de chanteuse nomade. En ce moment, je vois pas trop mon chez-moi, mais bon, tant mieux, hein, c'est bon signe. Et puis j'aime beaucoup voyager, donc ça tombe bien. Je découvre des villes que je connaissais pas, des noms de villes que je connaissais pas aussi, comme Angoisse par exemple. Ce soir-là, pas de styliste non plus. Elle aime choisir seule ses tenues de concert. Donc je mets un truc comme ça, un peu un style un peu vintage, j'adore. Avec le petit nœud pas, mais je crois que je vais le mettre dans les cheveux. Du haut de ses 22 ans, Tal semble déjà avoir pris la mesure des écueils d'un succès fulgurant et entend rester maître de sa carrière. Faut pas se laisser trop faire parce qu'après on peut nous formater. Enfin, avant j'étais beaucoup plus naïve qu'aujourd'hui et je me laissais un peu trop faire. Et je regrettais tout le temps après. Et aujourd'hui, je me dis c'est important que je m'impose. Avant d'entrer en scène, petit message à ses fans sur les réseaux sociaux. La meilleure façon d'entretenir avec eux une relation privilégiée. Hyper touchée du soutien et de l'amour qu'ils m'apportent. Et enfin voilà, c'est un vrai partage. C'est comme un couple. C'est on donne, on reçoit, on reçoit, on donne. Moyenne d'âge du public, 12 ans. Ses fans connaissent toutes les paroles de ses chansons par cœur. Pendant une heure, Tal enchaîne les titres. Le public était déchaîné, c'était trop bien, trop trop bien. Un concert qui se termine par une séance de dédicace à laquelle Tal se prête volontiers. C'est la folie, là. Ouais, c'est la folie. J'essaye de faire le maximum de personnes. C'est bon, tu l'as ? La séance tourne à la bousculade. Pour la sécurité de tous, les vigiles décident de l'écourter. Le revers de la gloire que Tal vit pour l'instant sereinement. Waouh, c'est tout ça pour moi et je suis hyper touchée et ça me rend heureuse d'un côté parce qu'il y a des gens qui sont là, qui te regardent comme si t'étais Dieu alors que t'es juste comme eux quoi. Tal a encore un rêve, remplir un jour le Zénith.